Bonjour Daniel. Allô Sean, ça va bien? Oui. Hey, de quoi on parle aujourd'hui, Sean? Ben, on va parler de tes livres. Alors, de mes livres, la série Rocketville, Les Champions, Dana et Dahlia et Voyage au centre de vidéo poker. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'écriture de vos livres? Ben, je m'inspire toujours de ce que j'aime, de ce qui m'entoure, de ce qui me passionne et je m'inspire beaucoup de mes enfants aussi. Est-ce que vous avez un autre travail qu'écrivain? Oui, j'ai un autre travail qu'écrivain. Je fais du sous-titrage pour les malentendants. Tu sais, quand tu écoutes la télé, mettons, puis que tu mets ta télé sur mute, là, sur silence, puis là, il y a des écritures qui apparaissent au bas de l'écran. Ça, c'est mon travail. C'est moi qui fais ces écritures-là. Quand vous étiez jeune, c'était quoi vos livres et vos auteurs préférés? Hey, là, tu fais bien de poser la question livres et auteurs, parce que moi, c'est surtout les auteurs qui me fascinaient. Moi, j'aimais beaucoup Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, que je considère qui est un des meilleurs livres du monde entier. Et Jules Verne, parce que j'aimais beaucoup ses histoires, tu sais, Voyage au centre de la Terre, des choses comme ça. Moi, j'aimais beaucoup ça. Donc, l'aventure, alors, des auteurs et des romans d'aventure. Est-ce que tu aimais l'école quand tu avais mon âge? J'adorais l'école. Moi, je faisais le contraire du monde. Tu sais, tout le monde était content, là, en juin, quand l'école finissait. Tout le monde faisait « yeah », ben moi, je pleurais parce que j'étais triste. C'était fini pour l'été. Fait que là, quand septembre arrivait, là, j'étais « yeah », puis là, tout le monde pleurait. Fait que oui, j'aimais l'école. Alors, salut, je m'appelle Daniel Boulian et je suis auteur de la série « Bienvenue à Rocketville ». C'est une série que j'ai créée dans le but vraiment de faire lire les garçons parce que je me suis rendu compte avec mon fils, entre autres, qui était un très mauvais lecteur, que c'était pas facile de faire lire les garçons et que le sport était un bon moyen de le faire. Donc, moi, j'ai décidé d'utiliser le hockey comme trame de fond. Alors, c'est une série qui parle d'esprit d'équipe, qui parle de passion de son sport, qui nous fait découvrir en même temps des grandes vedettes, des grands héros de ce sport-là. Donc, si le hockey t'intéresse, que t'es pas un grand lecteur et que tu veux le devenir, ben je pense que Bienvenue à Rocketville, c'est une série qui est faite pour toi. Alors voilà, merci. Baba Daniel, ça va être terminé pour aujourd'hui. Ben merci, on a fait ça comme des champions.